Nasty Brand B, regardez d'abord la Baptista avec des allures de rappeuse à la Nicki Minaj. Elle est dans la place, she is in the building. La fille du président du Cameroun a fait fort. Voici où tout a commencé. Ça me prend 13 minutes pour arriver à l'adresse qu'il m'a donnée. Après, il me dit too late, il me texte too late, genre trop tard. Je dis trop tard quoi? Genre trop tard, tu pars? Il dit oui, il va à l'aéroport. À part si tu me suis jusqu'à l'aéroport. Non, pas la première fois d'abord, je trouve les hommes et qui se croient tout perdu. Mais il me fait me déplacer après de 5h du matin. Après maintes déceptions amoureuses, la petite Brenda Bia, que tout le monde a connue du continent des Camerounais, a décidé de passer à l'autre côté. Oui, très chers amis, comme vous pouvez voir dans cette vidéo, on sent une goare qui est à l'aise dans son élément. Elle a trouvé une jolie petite minette venant du Brésil. Je ne vais pas savoir comment elle s'appelle, mais tout ce que je sais, c'est qu'elle est belle. Oh, quelle bombe alors! Regardez comment elles s'entendent super bien. Eh bien, ce qui fait fort actuellement dans les réseaux sociaux, c'est que justement, on a découvert que la fille d'un président est l'aise. Ce que vous connaissez. Wow! Quel coup. Mais par contre, il y a certaines personnes qui se disent, ben voilà, c'est sa vie, elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut de sa vie. À partir du moment où ce n'est pas le corps de quelqu'un, et ben voilà, la petite Brenda Bia, la grande rappeuse, regardez d'abord les allures de star. Ah, on peut faire ça, dame. C'est Shakira qui souffre. Ben, regardez, le duo est d'abord stylé, un genre, on dirait Nicki Minaj, Missy Elliott, ou alors, je sais même pas en fait, mais en version garçon, quoi. C'est trop la classe. Brenda Bia a décidé de vous mettre tout ça où vous pensez. Voilà, elle a décidé de faire de sa vie ce qu'elle veut. Vous parlez pas, elle n'en a rien à foutre. Il y a certaines personnes qui pensent tout simplement que voilà, c'est une mauvaise éducation, mais pour elle, elle s'en fout, elle est libre. À partir du moment où elle est majeure, elle fait de sa vie ce qu'elle veut. Donc, on a vu la petite grandir, elle était la petite mignonne, la petite fille adorée du peuple, ainsi de suite. Et voilà, elle a changé tout d'un coup, bam! Elle commence à faire des cheveux bizarres. Elle s'entretient, un jar, direction garçon, un jar. Elle ne gère pas les détails. En plus, dans la tête, c'est une star. C'est d'abord une grosse rappeuse, la plus grosse rappeuse du continent. Des Camerounais, qu'est-ce que vous allez faire à part bavarder et vociférer? Il faut noter qu'en Afrique, ce bilinguisme n'est pas encore vraiment toléré. Brenda Bia n'a rien à foutre. Écoutez. I love men. I think men are the coolest. But you don't really need them to love. My mom said to me, you know, sweetheart, one day you should settle down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich man. Comme vous pouvez constater, la maman de Brenda Bia, bien sûr Chantal Bia, était bel et bien au courant de toutes les phrases que sa fille faisait. Mais vous connaissez, quand un enfant grandit en Europe, on baigne, et plus rien ne peut l'arrêter. Si elle a décidé de faire quelque chose, regardez comment cette fille, c'est une bombe, regardez les allures. Ah, le fou, on peut faire ça, Adama. On peut être doudé comme ça. Suite donc à des publications assez un jar, la Queen Nasty a donc dit, écoutez, mon compte a été piraté. Et c'est donc comme ça que la grande Shakira arrive et fait des révélations pour soutenir sa choupi, bébou, Nasty, King, Brenda. J'ai appris que la fille du président Brenda Biel, elle est. J'ai appris qu'elle est les maman. Après, on va venir me juger. Ma maman est copie moins que la fille du président, et maman est copie moins que le bon exemple, maman. Ils vont me laisser à paix. Et c'est donc comme ça que la légalisation de l'autre côté du bilinguisme a eu lieu il y a de cela 10 ans, voire 50 ans, quand on sera bien entendu en 2074. Rendez-vous dans 50 ans. En tout cas, le beau Brenda King Nasty vous souhaite de vivre vos vies et de la laisser en paix. Ciao!